Hey, salut tout le monde, du coup là ça y est, on est chez mon préparateur physique, Jean-Philippe en repos. Là je fais à peu près 2-3 séances par semaine avec lui pour me préparer physiquement. En plus j'ai une petite compète, la carré bientôt dans quelques jours, donc ça me permet d'être encore plus prêt au taquet pour la compète. Du coup on va aller faire la petite séance et voilà quoi. Lately my life had a fast man, but it's ass plan. Fight for my life with the brass hands, and I still ball with a bad hand. Got an aerial point of view, but they'll never see the big picture through zoom lens. From the quicksand, make it push start, type of band's cool, but the tent. But I can't get no sleep, landing in the weeks. Life is bittersweet, I can't really explain it, but it's everything I need. At least for now I think, that everything might be alright, okay, okay, yeah. I can't get no sleep, landing in the weeks. Life is bittersweet, I can't really explain it, but it's everything I need. At least for now I think that everything might be alright, okay, okay, okay. These days I get replays, blue faces, how I decorated the loose page. Remember how I used to serve the plate, clean the food tray, working 8 to 4 from Tuesday through the weekdays. Hustle evenings at the stoop off Highway 92 in Hayward, always running just a few late. Tucking a new game back to the crib and I color in new ways. Building a new blade. Je viens de finir ma séance de sport avec Jean-Phi. Ça fait du bien là, donc un peu tranquille, donc je vais aller me poser un peu et tout, et on se retrouve dans quelques jours à la compète de la Fédé avec tous les meilleurs français et tout, et je pense que ça va être une bonne petite compète, donc on se retrouve là-bas dans quelques jours. Là on est mardi matin, il est à peu près 7h du mat, ça y est c'est le jour J, il y a la coupe de la fédération qui va commencer. Donc c'est à peu près les 12 meilleurs surfeurs français, donc il y a John Yuri, Jorgen Cousinet, Eka Olivas, Justin Becré aussi en jeune, il y a Marc Lacomar aussi et plein d'autres gars. Du coup je pense bonne petite journée de compète, il devrait y avoir des bonnes vagues, ça va être fun et du coup on va voir comment ça se passe, c'est parti quoi. Salut Kat. Ça va? Et toi? Salut vlogueur. Barrel ou un truc comme ça, mais j'ai rien trouvé, mais j'ai une petite vague à quelques termes donc c'était cool. Les autres ont eu quelques bonnes vagues aussi, là il y a un bon niveau, il y a quelques vagues, ça va peut-être s'améliorer avec le descendant et il va y avoir quelques petits tubes aussi. Donc on va voir comment ça se passe, là il y a les filles qui vont se mettre à l'eau et après il y a le tour 2 qui va renchaîner derrière. Du coup on va se poser une petite heure, manger un petit truc, boire un petit coup et se préparer pour la deuxième série et voir comment ça se passe quoi. Deuxième série finie, quelques bonnes vagues, il y a eu des bons petits chips qui sont passés, j'en ai eu 2-3 bonnes. Charlie en a eu une grave je crois, après il y a PC qui a éclaté une vague aussi en droite.
Du coup, bah, c'était cool. Bon, malheureusement, je suis pas dans le top 4, donc pas dans la finale. Mais j'ai eu quelques bons scores, quelques bonnes vagues, bon, bonne petite compète. Ça faisait du bien de remettre le lycra. Ah, ça y est, dans 5 minutes, j'ai l'avant-première qui va être diffusée. On est au Café de Paris à Ossedom, en plein centre-ville. Il y a du monde, il y a une bonne ambiance. Tout le monde est content. Du coup, bah, c'est bon, c'est cool. Ça fait plaisir d'avoir le vlog ici. Donc l'avant-première va commencer du premier épisode. Il sera disponible là le lendemain sur YouTube. C'est cool d'avoir tout le monde qui est ici qui va regarder, j'espère qu'ils vont kiffer et on va voir comment ça se passe. Maintenant je vais faire mon petit speech, la pression qui est là. Donc, tout d'abord merci, un grand merci au Café de Paris de permettre tout cœur maintenant ici. Tombola à gagner avec deux sets à gagner, deux paires de lunettes et deux. Donc premier épisode du vlog, donc il y en aura 7 qui vont passer sur l'été. Bah là du coup ça va durer environ 10 minutes. Le but du vlog c'est de montrer un peu du surf, mais aussi du fun à côté et autre chose. Et du coup j'espère que vous avez tous kiffé. Merci à tout le monde d'être venu, ça fait toujours plaisir. Et maintenant bah, profitez de votre bière, asseyez-vous tranquillement et parti pour le premier épisode. L'épisode vient d'être diffusé, j'ai fait mon petit speech, un peu trag mais ça s'est bien passé, tranquille. Je crois que tout le monde a bien kiffé l'épisode, tout s'est bien passé, le son était bon, l'image était bonne, tout le monde en kiffait, ils ont applaudi, donc bon, je pense que j'ai eu des bons retours, donc c'est cool. Alors du coup pour le premier lot, Sandrine numéro 46 bleu. Le 57 pour Maca. 57. Allez, 57. Du coup là ça y est, c'est l'anniversaire de Adrien, un petit fan qui me kiffe bien et tout. Du coup on va lui faire la petite surprise pour son anniversaire. Il a amené une border moins cassée là et qui est signée. Du coup on va voir un peu la réaction qu'il va avoir. Je pense qu'il devrait être plutôt content, donc on va aller voir tout ça. Ahmed, tu vas? Lève-toi. Okay. Allève tes lunettes mon grand. Là, c'est pour ton papa, il va dire ton anniversaire. 15 ans du coup bah bon anniversaire. Merci. C'est bon, monsieur. Merci. Pas de soucis. La planche à Adrien l'a signé donc pour ses 11 ans, donc il avait l'air assez content. Il a été un petit peu timide au début, mais il a l'air assez content, donc ça fait plaisir de lui offrir la board signée pour, comme cadeau d'anniversaire. Et là maintenant bah, du coup on va rentrer à la maison, on va continuer de préparer les affaires parce que demain matin réveil à 6h ou 5h je crois. On prend la route à 6h direction Madrid, 6h de route pour aller à l'aéroport et prendre l'avion et pour aller quelque part de paradisiaque on va dire. Ça y est, après 5h30 de route, on vient d'arriver à l'aéroport de Madrid. On va aller à l'enregistrement, enregistrer tous nos bagages, se préparer, trouver la gate et prendre notre premier avion. On a deux avions de 6h30 à peu près, donc ça va être assez long, mais c'est parti pour un long voyage. Mais bon, ça va être cool la destination, du coup, bien excité pour y aller. Bah, terminal. Putain, le Face ID de merde, il marche pas avec le masque. Non, là. Ouais. L'Indonésie, Maldives, Nicaragua, Panama. Même l'Australie, peut-être hein, sur une petite île, un truc comme ça, ou quelque part en Amérique du Sud, au central. Ça, vous découvrirez bientôt. Mais c'est bon, on est en mode Covid-19. C'est du bien de revoyager. Ça fait 5 mois que j'ai pas voyagé, je pense. Ça fait depuis que j'ai 11 ans que, que je suis pas resté aussi longtemps en France. Du coup, bah là, c'est une nouvelle manière de voyager, on va dire, avec le coronavirus, mais on s'habitue, ça va être sympa et on va kiffer là. On a le masque, faut que je trouve un petit masque un peu plus stylé que celui-là parce que bon, vas-y. Hein. J'endors et
et ramène tartine. J'en sors tartine. Allez, merci bien là, Johnson. Voilà mon gars, on est en vitesse là. Là. Ouais, mais on voit rien là, ce truc de merde là. Il y a un truc, t'as vu, c'est là, là, invisible là. Voilà, là, on sent vraiment à rien là. Là. Ok, du coup ça y est, nous arrivons à la fin du deuxième épisode. Nous sommes actuellement dans l'avion de Qatar Airways en direct du vlog Summer Vibes créé et réalisé par Kylian Guérin et Mousy Productions. Nous sommes en direction d'une destination paradisiaque dont de nombreuses personnes pourraient en rêver, avec des îles tropicales et exotiques, des plages à illuminer les yeux et des eaux bleues turquoises aussi belles que Miss Monde. Donc si tu veux suivre tout ça et découvrir tout ça dans le prochain vlog, qui sortira le troisième épisode le 9 août, abonne-toi à ma chaîne. Si t'as kiffé la vidéo, tu likes et tu commentes. Après, t'es pas obligé, hein. Mais je te conseille surtout de t'abonner si tu veux suivre et voir le troisième épisode. Car je peux te le dire que même si là j'ai une sacrée tête de cul avec tout ça, mais avec le masque, avec les règles Covid-19, que le troisième épisode il va envoyer et ça va être sacrément le kiff sur le bateau. Du coup, ça y est, on est arrivé sur le bateau. Donc, petit indice, on est au milieu des îles, sur un petit bateau, du coup, comme tu peux le voir. Donc, dis-moi en commentaire là où tu penses que je suis. Si tu veux suivre la chaîne et l'épisode 3, clique ici pour t'abonner à moi, ici pour voir plus de vidéos. Et rendez-vous le 9 août pour l'épisode 3 de Summer Vibes. Franchement, il va être vraiment grave, donc suis tout ça. Allez, c'est parti.